Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réaction. Réaction, c'est une nouvelle tranche que nous avions commencé ici pour cette année 2024. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. Je suis très content que vous soyez encore nombreux à me suivre et à m'adopter régulièrement, à ouvrir mes vidéos. En tout cas, j'en suis vraiment flatté. Merci beaucoup pour ça. Et cela, ça me rassure que ce que nous sommes en train de parler ici a un sens et que vous êtes nombreux à réagir, surtout sur les émissions que nous faisons ici. Vous me laissez les messages, il y a des gens qui m'appellent, vous cherchez les éclaircissements sur ce que je dis. Ça me fait en confiance et ça me donne encore beaucoup de force pour que nous puissions continuer à faire ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui se sont donné la peine de m'appeler et s'abonner surtout. En tout cas, Bopé Singa et Sengomingi, parce que je vis beaucoup de gens qui voulaient assez que je puisse leur répondre à la question que j'avais dit. Parce que na senga ki bino bo s'abonner pour que na répondre bino. Boleke belé, en tout cas j'en suis très fier, je suis très content que vous soyez abonnés. Néanmoins, aujourd'hui nous allons réfléchir. Et c'est dans cette réflexion-là que je vais vous donner aussi une partie de la réponse à cette question-là de la corruption. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Mes frères, après les élections, nous sommes à la croisée du chemin. Le Congo est à la croisée du chemin. Ou soit, nous continuons dans la fausseté et que nous allons laisser ce pays dans la main des autres pour qu'ils puissent venir nous gérer. Ou soit, nous allons décider de finalement faire les choses comme elles doivent se faire et avoir récupéré notre notoriété et puis laver l'affront que nous avons d'un Congo, d'un pays bananier à un pays qui a des fils et des filles et des hommes et des femmes qui réfléchissent et qui veulent laisser le pays sur une bonne voie du développement. Nous ne pourrons jamais expliquer à qui que ce soit, avec tout ce que nous avons, nous regorgeons comme minerais, avec toutes les possibilités que nous avons. Nous avons nous avons la population, nous avons un pays, nous avons la richesse, le sous-sol, la faune, et tout ça. C'est un pays extrêmement riche en probabilité, mais extrêmement pauvre dans la gestion de ce pays-là. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. L'avenir proche de ce pays. Nous n'allons pas parler de l'avenir lointain de ce pays. Nous venons tout de suite des élections chaotiques, des élections qui n'ont pas pratiquement à rencontrer l'assentiment de tout le monde. On crie à la corruption, on crie à la démagogie, à la tricherie, et cela nous continue à ternir la République démocratique du Congo. Alors, que devons-nous faire dans la tricherie dans laquelle nous sommes? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions commencer dans un avenir proche à se dire, nous allons remettre ce pays sur le rail du développement et avoir confiance avec tout le monde? Merci en tout cas d'être vraiment branché. Merci. Nous allons, comme tous les jours, prendre les grands titres à la une des journaux, parce que à ce moment-ci, je crois que la première cérémonie, la première cérémonie des parlementaires au Parlement est en train d'être faite. Donc, au moment où nous émettons, nous faisons cette émission, nous croyons que ça se passe déjà à Kinshasa, et donc c'est une bonne chose. Et nous allons donc prendre les grands titres à la une et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Le journaliste Blaise Mabala aux arrêts. Maïndombe, donc, ce qui est réellement reproché au journaliste Blaise Mabala. Vous lirez ça dans election-net.com. Et puis Goma, un premier lundi sans taxi moto.
Et puis RDC politique, toujours des démarrages de la 4e législature à l'Assemblée nationale. On va sur actualité.cd. Législature 2024-2028, validation de pouvoir des députés des rédactions du règlement intérieur, élection et installation du bureau définitif parmi les enjeux de cette session extraordinaire qui est convoquée à l'Assemblée nationale. Naufrage sur le lac Maïndombe, 4 nouveaux corps sans vie retrouvés. Théo Bongonda, nous sommes fiers d'être Congolais. Nous avons rendu la nation fière et nous essayons de continuer comme ça. Ça, c'est sur la victoire des léopards sur les Égyptiens. On va sur Congo profond. Béni, Football Club Kasindi Sport remporte le championnat territorial du football. RDC plaidoyer pour la reconnaissance totale de Kasumbalesa comme ville et la construction des infrastructures de base. Élection municipale, l'UNC à Titondongala, le plus jeune élu de la République. 7 sur 7, renégociation du contrat chinois, la RDC va bénéficier de 324 millions de dollars d'infrastructures par an. Ça, c'est l'IGF qui parle. Félix Tshisekedi promet d'améliorer les conditions des ambassades et des diplomates congolais à l'étranger. Et puis, RDC, Égypte, 11 du départ des léopards, 500 Kakuta blessés. On va terminer par Radio Okapi. Examen d'État 2023, publication de 100 boursiers de la Fondation Vodacom. Cheikh Awazi Suleiman, c'est de notre intérêt de construire la paix. EPST Maniema, interdiction de renvoyer les élèves lors des examens du premier semestre. On va terminer en faisant une grande félicitation à nos léopards qui se sont qualifiés en quart de finale. Félicitations nos léopards. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, Bandeko. Commençons d'abord par le commencement. Ma question est belle, Batouba Lingi n'a pas ça. Ma révélation na lobaki n'a pas ça bino n'a répondre bino n'a pas ça bino ba preuve que il y a des députés qui sont en train de faire la corruption au niveau de la Cour constitutionnelle donc ba magistrat na ba kuna ba na ba député. D'abord un Nazako lancé l'issue encore une fois de plus un appel à tous ces députés là au Nazako Teka bavoua na bango pour l'élection des sénateurs parce que ça se discute déjà et je vous ai dit que ça se discutait entre 10 000 dollars et 20 000 dollars côté ya ko choisir ka ba sénateur et ici mutu oyo azokende Goma Mutu oyo azokende bazami bale moko azokende Goma alobi azokende kofande la ba député wana ba député provincial pour ba choisir ye aza déjà na mbongo il a déjà l'argent et s'il me suit je sais qu'il me suit faites attention monsieur tokotanga kombo na yo nous allons mettre ça à nu à destination il doit prendre son avion aujourd'hui lundi à cause après quand va bloquer il y a Sénat il y a nani à parlement nani na parlement kuna na nani na stango ba ko installer bango à cause avion ya poko alelo azokende Goma mususu okende lobi lundi pour vous dire que nous connaissons les tractations qui sont en train de se faire ba tubazo te ka ba voix na bango et ça se discute entre 10 et 20 000 dollars pour aller corrompre. Et il est prêt à tout. Azo lobela batu na mi balé bazo loba que non. Vous me votez, vous avez cet argent là-bas, enveloppe ezali. Baza ko préparer ko zala ko ya ko zonga na Sénat. Alors, cette corruption là bande ko nangai, mboka nini ngo toza na kati. Mboka nini ngo toza na kati. Et nous vous prévenons, vous les juges à la Cour constitutionnelle, o boza ko vendre bolingi bolongola. Ba député o ba kozala ba kozala ekeyi lelo o ba kozala na nani na parlement lelo bokolongola ina faire de 15 députés
pour vous remplacer na bato ba pesi bino mbongo. Et vous allez justifier ça. Vous allez justifier, vous allez préparer ma justification na bangwana. Ba pesa ki déjà bino ba avance. Et c'est cela les preuves que moi je suis en train de dire ici que nous détenons. Toza musika me toza pembeni. Nous sommes loin, mais nous sommes à côté de vous. Les juges de la Cour constitutionnelle, oh, bah, ça, qu'on examine, bah, dossier. Bah, dossier, ça, est belé, et belé, et belé. Mais maintenant, ça se monnaie. Organisation, moko, et ça, t'es. Et là, comment on peut dire que nos dossiers, oh, et à qui Ali Bosso, Moussoussoui, bah, traiter en gros, on va traiter tout simplement certains petits dossiers. Oh, et au bateau, bah, pessi, bango, mbongo. Il n'y a pas d'ordre. C'est comme cela qu'ils sont en train de monnaie entre 5 et 10 000 dollars pour battre le dossier. Non, on a mis ça. On va invalider les députés qui sont au Parlement aujourd'hui. Et vous remplacer. Dans quelques jours, beaucoup de monde Bokoyo waka kabakur na ba décision en cour constitutionnelle, ba lobite, moutoutel, ba destituer, ba réhabiliter moutouboué. Il y en a, ça va venir. Et lorsque ça viendra, souvenez-vous de cette émission, Régie. Bokani, cette émission, autant on arrive sa cabine. Je ne veux pas être. Naza koloba awa makambo nga na ebite na yebi yango très bien. Et c'est là la réponse que je vais donner à tout le monde que soyez en sûr que nous avons le preuve. Na ba reçu, na ba vidéo, na ba audio, oya bato baza ko sala ba makambo wana ezali. Ce dossier-là, nous l'arrêtons là parce qu'il fallait tout fixer quand même, Bino, sur que Tozoloba, Makamuna, Boeboete, nous connaissons ce que nous faisons. Et ça enquête, mais nous, on nous a envoyé et nous avons été en contact avec ceux qui sont en train de vendre leur voix pour sénateur et même pour les gouverneurs. Mbokani nango toza nango bande konangaye. Ça fait honte, ça fait très mal aussi. Voilà. Même dans la corruption, même na bosoto toza na kati, nous ne cesserons jamais de réfléchir. Mboka na biso toko kende wapi. Qu'est-ce que nous allons faire? Batu ebele baza koloba kono, Germain, tu es un oza tshisekediste, oza mutu ya tshisekedi. Pourquoi est-ce que tu penses vraiment que j'ai dit ceci, dans un proche avenir, c'est ça que nous avons dit, le projet à long terme et le projet à court terme. Qu'est-ce que nous pouvons faire à court terme dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Nous devons d'abord, un, situer les priorités. Attends, lelo, oh, au Parlement, oh, y a boulou, y a tricheur et cocotte, lelo. Bureau d'âge, Babylone. Qu'est-ce que nous allons faire avant la fin du mois de mars? Faire la session parlementaire. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a adoption à budget, il y a Babylone qui est belé pour le 2000. Parce que le budget que nous sommes en train de consommer cette année ici a été déjà voté dans le Parlement à Kala. Vous allez voir donc, nous allons, à côté à Mbongo, tout ça qui fonctionne, Mboula ou Mobimba, tout ça qui fonctionne dans le budget, où est le cas qui passait. Qu'on ne vienne pas nous tromper ou quoi que ce soit. Non, Mbongo, Oezalaki déjà voté dans le budget il y a 2023, on a 2024. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est le premier point. Donc, il n'y aura pas quelque chose à modifier sur le plan budget. Donc, Parlement, Oezakokotasiko, Ekosalanini, Ekoexaminer, bah, problème courant. Il faudrait que Batubazala, nous aurons bien sûr avec un nouveau gouvernement, Yasika. Le gouvernement na wana ekoya na politique na ngo, ils vont faire un plan, ils vont bien sûr que bakosala programme na bango avec le président de la République sur les problèmes de l'heure. Quels sont ces problèmes de l'heure que nous avons à main? C'est comme ça que nous disons que au moment bomona ki que lorsque Bakamere na Félix Bayaka na 2019, ils ont lancé des programmes pour na ko aliever situation catastrophique au Tobandé qu'on vivre. C'est comme ça qu'ils ont créé les programmes de 100 jours et tout ça, n'ayant pas un gouvernement en place. Et c'est ce gouvernement-là qui a trouvé déjà des programmes
que eux-mêmes n'avaient pas conçu. Donc tozalaki kaka na babulu ye ke ndenga na tokoti kaka na babiloko tozalaki na désordre et désordre. C'est comme ça que nous disons que na mandature oyo o Félix azana ngo o tolobi ke ye mu kwa ntombolo nde mtoa azana ba reine nyoso pouvoir nyoso ze pa na ye connaîtraine pas pour avoir un gouvernement. Yangwana tozo tomona ki ke babiloko oyo émission na nga ya semaine passée o toloba ki ke non. Ba comme ko sala parce que Babylon Congo e ko kende vite vite ça sera vite fait, mais c'est comme ça que les autres ont pris position. Ba Kamere ba moni ke no a tokozala awa tant que président ye moko azako décider parce que majorité zay pa na ye, il n'y a personne qui va dire non, c'est lui qui va essayer un peu de mettre un peu de ba bâton dans les roues ou freiner l'élan ya président de la République. Parce que là, le président de la République, Ezali, n'est-ce pas Ezali n'a pouvoir, Yemoko, il va nommer quelqu'un. Il n'y a pas moyen de nommer un informateur, oh, majorité Zawapi. Déjà, comme il a été élu avec 73%, le pouvoir est entre ses mains. C'est lui-même qui va se choisir les hommes avec qui il veut travailler. Or, rappelez-vous que le président de la République, Fatia Lobaki, a kosa la naba miyibite, même si lui-même aussi est le produit de ce vol-là électoraux. Mais il a déclaré déjà que non. Déclaration en ayangwana que non, à lobi qui a kosa la naba miyibite. C'est ça la déclaration qui a fait peur et que l'alliance comme il se formait au Parlement, au Kenya Parlement, pour que Fatia. Avant de nommer un ministre, avant de faire un gouvernement, qu'il puisse réfléchir à deux fois que Batouana Bakouta wapi Bakouta na parlement. Or, c'est lui qui a tout le pouvoir à main. Ce n'est pas que moi je ne suis pas contre, disons, je ne suis pas contre, disons, je suis contre ces gens-là qui sont là, Basama, Vital Kamere, tous les autres là. Je ne suis pas contre eux. Mais Eloko Tozo Loba Awa, dans un proche avenir, nous voulons à ce que le pays commence à travailler de maintenant avec des institutions, pas avec des programmes de la présidence de la République comme c'était dans la mandature Naya Aliboso. Nous ne voulons pas que cela se répète. Mais dans l'alliance Oyo Ezako Salema, c'est comme si on est en train d'obliger le président de la République de causer, d'engager des pourparlers pour former un gouvernement. Et donc, si moi, nous faisons des alliances, nous faisons des cartels pour dire au président de la République que non, vous devez causer avec nous pour que nous puissions former le gouvernement. Toko banda pe ko tia ba mapeka. Que non, biso pe toza na ba député. Ah, biso pe toza boe 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 boe. Mais nous avons un président qui a été élu à 73%. Et donc, dans 73%, on a, nous pensons que, et qu'on s'est répété dans Katia Batoba accompagnant qui est, rappelez-vous que je vous ai dit ceci. Dans l'émission Moko na Lobaki, qui accompagneront le président de la République dans son deuxième mandat? Nous en avions parlé. Babiloko yango yango ezokomiko bima. Ezobima na ndenge nini. Les gens commencent un peu à se battre sur le positionnement. Ils sont prêts à tout. Batouana baza prêt à tout, même à Koboma Batou. Or, qu'est-ce que nous avons des priorités au Yotosa Kosa, Kozala Nango, qu'il faut qu'il y ait un gouvernement d'abord. Ça, c'est un. Deux, ce gouvernement-là aura à traiter quoi? Il devra traiter l'Ikambwa Est. Que cela ne soit plus l'apanage du président de la République. Yemoko, bien sûr que Yemoko yende mtoza garant en sécurité, mais il travaillera avec un gouvernement. Parce que ça va domaine, moko ba domaine en sécurité, ça va domaine en collaboration entre le président de la République et le gouvernement en place. Bon, comme il aura ses hommes, Batounaye, donc c'est cela la politique qui sera appliquée et que ça sera une politique officielle au Ezako Salema, na Katia ba institution. Ça, c'est le deuxième point. Donc, tous à la gouvernement Moko, déjà avant la fin, il y a première session, il y a parlement, et que gouvernement, on a eu bini nyango ezo ya kosala. Il ne faut pas qu'il y ait de tâtonnement. Il faut que nous dilions avec les gens
qui savent ce qu'ils sont en train de venir faire. Ça, c'est ce que nous pensons que le président devait penser. Parce que à court terme, nous devons deal avec des problèmes qui sont cruciaux, la sécurité du pays. Refondation du pays, parce que nous devons refonder ce pays ici. La refondation du pays doit être sur la table. Refondation en Gwambo Kandengeni. Faire fonctionner le pays de la base au sommet. C'est-à-dire, regarder qu'est-ce qui est à faire, effectivement. Allons-nous continuer avec le programme des 145 territoires? Qu'est-ce que nous allons changer? Et c'est cela le sujet que nous vous donnerons dans l'émission prochaine, parce que nous allons revenir sur la configuration du programme des 145 territoires pour nous approcher les uns les autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important? Comment est-ce que nous allons relancer l'administration dans notre pays? Voilà un peu ce que nous voulions dire dans ce que nous disons, le programme proche. Il ne doit pas y avoir plus de 4 ou 5 Bandeko. Programme y a le plus proche au biso to banzi que et au gros cause à la préoccupation au gouvernement sika. Il faut les aller likambo identification nationale. C'est par là que nous devons commencer. Identification likambo oni palingia ça là-bas parce ça va distribuer ma carte d'identité comme ça. Ça n'a pas de sens. Et ça n'a sens mon côté. Donc le gouvernement, si je peux me récapituler. La sécurité, l'identification. Parce que pourquoi j'ai dit l'identification? Boti kangana na développé un peu mouke awa na katia identification awa. Mes chers amis, vous voyez les guerres qui se passent à l'Est. Vous voyez toute cette insécurité ba armée ezali kokende toza ko invité ba tukuna tout ça. La base c'est quoi? Selon moi, la base c'est un problème d'identification nationale. Ça, c'est un. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le problème de notre défense. Donc, armée Nabiso, appareil sécuritaire Nabiso Mobimba, Eza Kaput. Il ne fonctionne pas. Il faudrait s'atteler ça. Et donc, le gouvernement en place, que nous allons mettre en place,
le gouvernement qui viendra, la première des choses, ça sera sur ces trois points-là. L'insécurité, l'identification et faire fonctionner le pays au niveau de la base. Nous allons le faire fonctionner comment? C'est à partir justement des opérations des identifications. Bandeko, tout est la tête que oh non, tu vas construire boete, tu vas coopérer, tu vas construire boete, banzela. Non, concentrons-nous sur l'homme congolais. Définissons cet homme-là. Quantifions cet homme-là. Et je pense que même ceux qui t'ont sali en gros, qui ont un programme pendant 2 ans, et que t'ont installé en gros malam, je crois que cette mandature aura à se targuer et aura à laisser au fils et aux filles de ce pays quelque chose de tangible. Si nous avons une carte d'identité et que nous sommes rapprochés, les Congolais, rapprochés l'un de l'autre, cohésion nationale est commis, comment qu'on fonctionne à partir de la base, sécurité zongi, avec une carte d'identité, on se souviendra beaucoup plus longtemps de Tshisekedi. Mais ceux qui toke kaka na ndenge a bulu yeke boye boye kaka boye, oh non, biso majorité, oh biso boye tout ça, toko sala nini. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne pensent même pas au projet qui doit être exécuté. C'est en fonction de ça que nous pouvons choisir les hommes. C'est en fonction de ce que nous voulons faire que nous allons dire que non, mbatu boye ne mtu bako zala, baza possible ya ko aider biso. Bandeko, ne retombons pas dans les histoires de pouvoir classer nos amis, Batunabiso, Bato, Tokendaki Nabango, nous avons combattu au sein de l'UDPS pendant que dans la tête il n'y a rien. Quel est le programme que nous sommes en train de concevoir pour les 3 premières années ou bien les 3 mois qui vont venir? Quel est le gouvernement viendra faire quoi? Il ne faut pas que nous venions avec à nommer les gens et que ces gens-là n'arrivent même pas à savoir et là qu'on y n'a pas Kendeko Sala. Moi, je me rappelle en 2021, lorsque on a choisi le Premier ministre. Moi, je vis un homme perdu. Moi, en tout cas, Ndenge na mona kasama Lukonde, c'était un homme qui n'était pas préparé. C'était un homme qui ne sait pas exact, qui ne savait pas exactement ce qu'il va aller faire étant Premier ministre. Il ne savait pas. C'était un pion qu'on mettait là-bas justement pour que à remplir Kazouana. Mais dans la tête, il n'y avait rien de nouveauté. Bon, mon ami Babiloko, qui n'a pas la première présentation au Parlement, il n'a fait que lire ce qui a été fait. Il n'y a pas eu de nouveau. Aujourd'hui, nous voulons avoir des hommes et des femmes qui savent exactement que, dans 3 mois, on a une année, qu'est-ce que nous devons achever? Est-ce que nous allons concentrer Babiloko Nyonso tout autre au sala pour Nakosili Salikamboa Est? Quel est le mécanisme dans lequel nous allons nous y prendre pour que Likamboa Est ait insécurité, à guerre, à M23 ici là? C'est ça justement que nous pensons que il faut Batouba Bandako réfléchir Nango Sikoyo. Avant que to Bandako, j'espère que le président n'est pas là à dormir sur ses lauriers, ses lauriers en disant que non, j'ai été maintenant élu et tout ça, je continue à fêter, je continue à montrer que moi, c'est moi le président. Non, être le président, c'est maintenant le temps de travailler en se disant, Moussala est bandit, mais Moussala Ango, il faut nous entourer. Les erreurs que vous aviez dit que, comme état qui n'a premier mandat, et se répéter les sous-soutés. C'est cela ce que les Congolais attendent. Baere Rango Zanini, na émission nanga passé, j'ai dit qu'il fallait que le président puisse nous dire exactement ces erreurs-là étaient quoi. Parce que, il a regretté des unions na Bango, disons séparation na Bango ya FCC Cash. Yanani, ya FCC Cash. Il continuait à regretter comment se séparer qui. Parce qu'il y avait quelque chose de bon dans cette coalition-là. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et qu'il regrette aujourd'hui et qu'il devra être corrigé. Mbongo Haram, les vols qui se sont perpétués, est-ce que vol wana nyonso ba détournement ba fond wana, même si aujourd'hui nous mettons Alinguette comme premier ministre, Alinguette nous a fait quoi? Combien d'argent est-ce que banani oyo Alinguette si ezongi sakambongo na nani na caisse à l'état?
C'est sur tout ça qu'il faut réfléchir en se disant, nous avons du pain sur la planche. Le programme que nous devons examiner, nous devons mettre en place aujourd'hui, doit être un programme que nous devons réfléchir. Et c'est à partir de ce programme-là que nous devrons dire que nous pensons que Batou Oyo, na Batou Oyo, va exécuter le programme Oyo. Que ça ne soit plus un club d'amis, que ça ne soit plus des gens qui viendront pour se réjouir, bah, fête tout le temps, à l'étranger tous les jours, bah, mission de service tous les jours, que ça ne soit plus ça. Et je crois que le président de la République, Nandenge Olobaki qui a corrigé, Bayerere a passé, Tikana Noupe Makamboaba voyage Libanda, concentre-toi à retrouver les solutions de ce pays à l'intérieur de notre pays. Fais beaucoup plus de voyages à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La solution de notre pays, comme nous ne cessons de le dire tous les jours, elle se trouve en interne. C'est à l'interne que nous allons former nos armées. C'est à l'interne que nous allons construire ce pays ici. Pas avec les gens à l'extérieur. Toi-même, tu l'as dit. Que tu as tout vu. Tu as vu tout le monde. Tu as vu tous les voisins. Mais tous les voisins, vous disiez que non. Le problème n'est pas chez nous. Le problème, c'est chez vous. Le problème, c'est chez vous. Alors, président de la République, Zalana Mta Ebele à Koluka. Et là, il faut que ça en interne pour que tout bongisa makamunyos. Et là, moi, je vous ai donné trois éléments pour les dire, pour terminer. Gouvernement à Malam, Yabatumoko crédible. Concentrez-vous sur le problème de la sécurité de notre pays, donc l'appareil sécuritaire. Comment vraiment réformer l'appareil sécuritaire? Appareil sécuritaire, c'est-à-dire l'armée, service à sécurité, comment est-ce que nous pouvons faire? Comment sécuriser les gens? Comment est-ce que les gens peuvent commencer à être, par exemple, à Lilikambouanan, il y a identification pour le troisième point. Comment est-ce que nous allons nous reconcentrer sur le point Wana Koloba? Résolvons d'abord les cambouis, il y a une identification. Parce que, ils ont parmi moko, ils ont ça là que non. La frontière n'a pas besoin de la fluide, kanate en interne. Les cambouis, les Congolais, les Congolais, qui est Congolais et qui ne l'est pas. Voilà un peu, mes chers amis, aujourd'hui, dans cette réflexion que nous allons terminer cette émission d'aujourd'hui en disant nous comptons beaucoup sur ce qui est à l'avenir proche. Toi, tu penses que ton gamboka au aéroport banini, mais faisons ce qui est yamouimou. Plantons la fondation de notre pays. Attelons-nous à la fondation de ce pays ici. C'est là où il se trouve le problème. Problème nabiso ezali fondation nini, mboka nabiso evandeli. Voilà. J'espère que vous vous êtes abonné. J'espère que la réponse que je vous ai donnée au début de cette émission sur la corruption, Yabatouana, na kebisi bangoli sous. Nous connaissons ce que vous êtes en train de faire, messieurs. Na tangi kombote. Mais bokbo pousenga tena kende gotanga ba kombo na bino. Mais ba omi bale bazako voyager, moko azo kende goma, mswa azo kende bukavu. Bazo kende moko azo teka mdaku na ele lo azo asuki soki combien de millions a kende kokorompre ba député provincial. Nous connaissons toutes ces machinations-là. Voilà. Abonnez-vous, nombreux, parce que bon, ça va arriver que tu as un combat à Batouana. Ce qui va kébiter. Voilà. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Bon début de semaine. Portez-vous bien. Au revoir.